journée commence par un bon petit déjeuner, plus que copieux, dans l'auberge de Mohamed. Après un petit tour à la boulangerie du village, nous reprenons la route en direction de l'ouest vers Mamid. Donc on reprend la route ce matin, ou plutôt la piste ce matin avec la pluie. Donc on suit Mohamed qui va nous expliquer comment éviter de rouler dans le lac dans lequel on est passé hier. Normalement la piste officielle passe dans le lac. Mais avec la pluie, si on traverse le lac, il nous a expliqué qu'on allait y rester, tellement c'est boueux. Donc là, on le suit un petit moment, il va nous expliquer comment éviter le lac pour rattraper la piste principale plus loin, pour éviter de s'embourber. Donc c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Si j'ai bien compris, on a une centaine, je crois même 160 km de piste à faire. Donc on va mettre plusieurs jours en fait. On était dans la poussière, aujourd'hui on est dans la boue, parce qu'il paraît que eau et poussière ça fait boue. Un petit passage de sable, c'est un peu mou, du coup ça demande pas mal de couple et ça augmente la conso entre 30 et 40 litres. Faut pas que ça dure trop longtemps. Et là bas au loin de nouveau stable, et c'est très agréable de rouler là dessus . Mohamed s'arrête ici, il va faire demi-tour. Nous sommes sur la piste, c'est le moment de nous dire au revoir. Je garde un très bon souvenir de cette rencontre avec Mohamed et j'espère pouvoir le revoir. C'est toujours avec un pincement au cœur ces moments-là, mais les voyages et la van life sont faits de rencontres et de séparations. Mohamed nous a mis sur la piste, il vient de faire demi-tour et donc on continue sur la trace. Normalement on devrait pas se perdre, normalement. En tout cas les paysages sont toujours aussi beaux, un désert impressionnant avec ces montagnes là, sableuses et pleines de cailloux, vraiment c'est super beau. Et c'est intéressant de voir le désert sous la pluie parce que apparemment tout le monde le voit sous le soleil. Les gens avec qui on était tout à l'heure nous disaient qu'ils étaient venus au Maroc plein de fois et c'est la première fois qu'ils voyaient de la pluie au Maroc. Alors évidemment, la conduite n'est pas la même. Les couleurs non plus, mais ça reste toujours aussi beau, aussi surprenant. We'll be right back.
artificielle. Mais alors, je crois que ces cailloux, ils remontent du sol. Ah, ils viennent pas du ciel, ils viennent de la terre. Par contre, hier, quand tu nous as rejoint, les tout petits cailloux, ils pouvaient pas remonter, tu vois. Et là, les tout petits, je sais pas d'où ils viennent. Donc, je sais pas. Ou est-ce que c'est des restes de cailloux, du reste, enfin, tu sais, enfin, ouais. Ouais, quand on se promène, il faut un géologue avec nous. La prochaine fois, j'en prendrai. Dans ce désert rempli de sable et de cailloux, nous avons trouvé un arbre près duquel nous nous arrêtons pour passer la nuit. Nous sommes en plein désert, toujours à la limite de la frontière avec l'Algérie, à l'est du parc Iriki. Je suis en train de faire une petite randonnée tout seul dans le désert. Bon, je vais pas trop loin, je reste toujours en vue des camions parce que c'est facile de se perdre. Il n'y a rien autour de moi, comme vous pouvez voir. J'ai l'impression d'être sur la lune. Les camions sont au loin là-bas. En fait, ils sont tellement petits que on les voit pas. Ça fait un peu flipper. D'un côté, c'est tellement reposant. Vous voyez les camions au loin. Le petit point noir qui bouge, ben c'est Stéphane qui m'a quitté tout à l'heure et qui est en train de retourner au camion. L'immensité du désert est impressionnante. On a l'impression d'être de sable parmi les grains de sable. Au fond là-bas à gauche, je sais pas ce qu'il y a, il y a qu'un bivouac, quelque chose. Pas très bien. Il y a un petit vent glacial. Et c'est calme, silencieux, impressionnant. On est en plein désert, il fait froid ce matin, 8 degrés à peu près. Je me suis garé dans le sens pour que le vent arrive par devant du camion, pas par derrière. Parce que j'ai eu besoin d'ouvrir le panneau électrique que vous voyez là derrière moi. Parce qu'en fait, j'ai plus rien qui fonctionne. Suite à une secousse, il y a quelques temps, il y a eu un dysfonctionnement électrique au niveau de la cellule. C'est-à-dire la partie habitable du camion. Et puis, le système en fait dysfonctionnait. Et puis après, ça s'est mis à marcher correctement. Et puis des fois, ça dysfonctionnait. Et après, ça remarchait correctement. Et là, ça fait quand même pas mal de jours que ça fonctionne correctement. Et puis hier soir, tout d'un coup, pof, plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne à l'intérieur. Plus de lumière, plus d'éclairage, donc plus de chauffage, plus de chauffe-eau, plus de réfrigérateur. Impossible de recharger l'ordinateur, impossible de charger les batteries des caméras. Donc c'est compliqué de poursuivre un voyage dans ces conditions. Alors je regarde partout, il n'y a aucun fusible qui a bougé. Aucun branchement visible, du moins, qui a bougé. Je n'arrive pas à trouver la solution. J'ai envoyé un mail, parce que j'en ai en plein désert, mais je sais pas pourquoi j'ai de la 4G, comme quoi. Donc j'ai envoyé un mail aux techniciens de Tartaruga, voir si eux arrivent à m'apporter une solution à distance. Et sinon, ben, je vais devoir écourter le voyage et remonter à Zurich pour qu'ils puissent regarder ça de près, quoi. C'est un peu embêtant parce que normalement j'ai rendez-vous chez eux le 24 avril et là on est le 15 février. Donc ben je vais voir ce que ça donne. Donc c'est ce tableau là que vous voyez derrière là. Après je sais pas si c'est ce tableau là qui dysfonctionne. Hein. Donc les commandes électriques sont là. J'ai contrôlé les câbles, j'ai tout contrôlé. Donc, je me dis que quelque chose a dû bouger quelque part, mais quoi? Il y a un mauvais contact, est-ce que je sais pas. J'arrive pas à trouver la solution. Puis moi en électricité je suis pas très doué, j'avoue. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est en plein désert. Donc pour avoir des conseils ou rencontrer quelqu'un... Bon, j'ai Stéphane et Sophie qui dorment là, à côté de moi. Là, vous les voyez. Mais bon, je pense pas que Stéphane s'y connaisse mieux que moi en électricité. Donc
sais pas ce que je vais faire. On reprend la piste ce matin. Toujours dans la même direction. Il fait pas très beau, mais il pleut pas. Par contre, ben, je suis embêté avec ces problèmes électriques. Donc là, j'ai tout qui est en alarme derrière. Absolument rien fonctionne. Ça charge pas les batteries, ça, le réfrigérateur marche pas, le chauffage marche pas. Alors, toute la partie, bien sûr, camion fonctionne, la partie sprinter fonctionne sans problème, donc j'ai le chauffage généré par le sprinter, mais dans la cellule à l'arrière, rien ne fonctionne. On est en plein désert, et je suis pas à côté de Zurich, donc je sais pas. Je sais que d'autres fois, ça s'était remis tout seul, on va bien voir. Mais... ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les installateurs, enfin ceux qui connaissent ce véhicule, puissent regarder précisément, voir d'où vient le problème et qu'est-ce qui s'est passé avec cette secousse. Et moi, j'ai absolument rien trouvé d'anormal. Changer de planète, avant on était sur la Lune, maintenant on est sur Mars. On est sur une partie pas très roulante, là. Un peu caillouteux, un peu tordu. Faut rouler doucement. Et là on tourne, je sais pas. On va aller voir sur le côté si c'est plus amical. Ouais, parce que là c'est pas très roulant. We'll be right back.
Là, on a un checkpoint de l'armée marocaine qui contrôle nos passeports. Il nous demande d'où on vient et où on va. Voilà, on vient de passer le checkpoint. Bon, contrôle des passeports. On est allé vérifier. Et puis, il prend photo des plaques d'immatriculation. On continue notre route. Tranquillement. Alors, c'est de l'eau ou du plastique? Probablement du plastique. Parce que l'eau, ça s'évaporerait. Je ne sais pas ce qu'ils cultivent ici en plein désert. Qu'est-ce qui pousse dans le désert? Je ne sais pas. Passer un autre checkpoint. On va prendre une route un peu goudronnée là, et apparemment c'est une route réservée à l'armée. Puis ils disent qu'il faut qu'on passe sur cette piste là et que ça rejoint plus loin la piste qu'on devait rattraper plus loin. En fait, on longe la frontière entre le Maroc et l'Algérie, et donc je pense qu'il y a une présence militaire qui contrôle cette frontière. Et la piste qu'on utilise, eh bien, longe en fait la frontière. Ceci explique cela. Ouais, ils sont toujours très corrects, très gentils. C'est sûr qu'on ne connaît pas toutes les informations. C'est par là. Ouais, il fait chaud hein, en fait, le thermomètre dit 14 degrés, on a l'impression qu'il fait 30. Comique. Le soir, nous nous poserons de nouveau dans le désert, en plein milieu des cailloux, avec un superbe arc-en-ciel qui englobe nos sprinters. Malheureusement, malgré toutes mes recherches, tous les contrôles de fusible, tous les contrôles de câbles, je reste toujours totalement en panne. Absolument rien ne fonctionne dans la cellule d'Azimut. Pour connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez me suivre au quotidien sur Instagram. À bientôt !